bon, il faut la vinacle, comme. Les rois, les peuples, nous, comme, ils parlent du polonais, si nous lui donnons tout, mais. Amen. Il n'y a ni qu'attendre, ni à la polémie, plein à l'église, en français. Le français que vous avez dit, banque ordinaire, programme à lui, le cantique 21-18, nous venons dans ta maison. C'est pas figé? Ça sera figé. Ça sera figé.
avions déjà annoncé, comme vous l'avez reçu aussi sur vos numéros WhatsApp ou vos adresses e-mail aujourd'hui, ce jour est le jour de notre Assemblée Générale. L'Assemblée Générale par tard, sinon les Assemblées Générales par tard pour l'année 2019 et 2020 que nous allons faire tout à l'heure, juste après ce court temps de culte. J'espère que nous serons toujours disponibles pour vivre ce moment que j'espère ne pas trop rallonger. Donc le culte sera abrégé, comme nous le voyons déjà dès le départ. Et les inscriptions sont toujours ouvertes, ceux qui veulent adhérer à l'association sont toujours ouverts, et on peut toujours s'inscrire là à l'entrée. Couvre-moi les dos, Laetitia, thank you.
Et bien, monsieur, si vous voulez venir de l'année,
Pour
Les thèmes de ce jour, j'en ai choisi deux, ils sont de Jérémie et de Luc, qui sont dans mon dictionnaire, je n'ai pas pris l'épître. Donc, j'ai choisi Jérémie 1, versets 4 à 10, qui est un des textes du jour dans l'Ancien Testament. Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Le second passage biblique est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 4, les versets 21 à 30. Luc 4, 21 à 30. Alors, il commença à leur dire, c'est Jésus, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph ? Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaüm. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa propre patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élisée. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville. Ils le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Amen. Thank you.
Dans le texte de Jérémie, il est premièrement question de vocation. Quand bien même il y a des gens qui s'imposent à Dieu et aux autres et aux prochains dans le ministère du service de Dieu ou de la prophétie, parce que de nos jours il y a tellement de prophètes, d'apôtres qui poussent comme des champignons, on n'avait pas connu le siècle dernier, pourtant, ils s'improvisent du jour au lendemain prophète. Bien qu'il y en ait beaucoup, en réalité, c'est Dieu qui vient, c'est de Dieu que vient l'initiative de la guerre. Le récit de la vocation de Jérémie révèle l'initiative exclusive du Seigneur dans le choix du prophète. Jérémie le répétera pendant toute sa prophétie. Il dira tout le temps, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Pour confirmer cet appel et cet envoi. Pour Jérémie, cette mission le précède. Dieu l'aurait choisi avant sa conception même. Il l'a mis à part. Il l'a consacré, mis à part. Il l'a mis à part pour cette mission. Donc la vocation, l'initiative de la vocation vient de Dieu. Ensuite, pourquoi cette mission, particulièrement pour Jérémie? De quoi retourne sa mission? Sa mission est d'être porte-parole de la vérité. Être porte-parole de la vérité. Et comment répond-il à cette mission? Jérémie eut une réponse spontanée et vraie. Du prophète à son appel. Tout comme Moïse, Jérémie cherche à se soustraire à cet appel. Les raisons sont, pour Moïse, on l'a vu, on en a parlé en début de mois, pendant le culte du 2 janvier. Pour Moïse, Moïse avait dit, comme nous l'avions entendu le 2 janvier, Moïse exprimait sa peur, son incapacité de se tenir devant Pharaon, le peuple, disant qu'il vient vraiment de la part de Dieu. Il avait eu difficulté à être prophète chez les siens. Chez Jérémie met en avant sa jeunesse, bien son jeune âge, donc son manque de sagesse. Il dit, je suis jeune et je ne sais pas parler. Difficile d'être témoin de la vérité dans notre monde. D'où l'appréhension d'une mission difficile, l'appréhension par Jérémie, tant par Jérémie que par Moïse, avant lui, de cette mission très difficile. Et Dieu dit, tu diras ce que je t'ordonnerai. Ce que je t'ordonnerai, tu diras. Ne les crains point. Je suis avec toi pour te délivrer. Si il rencontrera des difficultés dans cette mission de destruction et de construction, comme le dira, nous le verrons après. Puisque dans cette prophétie, il y aura 4 verbes de destruction et 2 verbes de construction. Il y a tu arracheras, arracher, abattre, ruiner, détruire, puis bâtir et planter. Vu la situation spirituelle catastrophique en Israël à l'époque de Jérémie, tout comme de nos jours, toute tentative de redressement exige avant tout déconstruction. Déconstruction des pensées, déconstruction des pratiques, sinon tu ne peux pas reconstruire. Chercher à ouvrir la voie de la vérité et à l'amour inconditionnel, c'est s'exposer, et je dirais même, c'est emprunter le chemin du suicide. Quand tu cherches, dans le monde des musulmans, la voie de la vérité et de l'amour inconditionnel, c'est comme si tu t'exposais au suicide. Tel sera le cas pour Jésus
dans le passage de l'évangile de Luc que nous venons de lire. Jésus se rend à Nazareth, dans sa ville. Il s'y révèle au temple comme l'envoyé de Dieu, portant de la grâce divine. Pour annoncer la bonne nouvelle, dans les versets qui précèdent, il s'était présenté, il avait parlé de sa mission, et c'est là, c'est parti du passage qu'on a lu, après avoir appris tout ça. Il avait annoncé, quelques versets plus haut, la bonne nouvelle, sa mission était annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue et libérer les opprimés. L'intervention de Jésus suscite tout d'abord une suite de réactions qui se révéleraient des réactions contradictoires, paradoxales. D'abord, l'assemblée était fière. Et dans l'étonnement pour ces paroles de grâce jamais entendues qui suscitent admiration, eux qui n'avaient jamais entendu autre chose que l'exigence de la loi, ne fais pas. Et voilà les conséquences. Voilà que quelqu'un vient leur dire, mais la grâce vous est offerte et c'est pour libérer tout le monde que je suis là. L'assemblée était fière et reconnaissante et dans l'étonnement. Puis vient l'esprit de suspicion. Est-ce vrai ce que raconte ce fils du village? Ce fils de charpentier lui aussi? Ici, on commence par faire plus attention à la personne qu'à la parole dont il est porteur. On commence à faire beaucoup plus attention au contenant, plus beau contenu. C'est dire que l'étonnement et l'admiration seuls ne suffisent pas pour convertir ou changer les cœurs. Il faut sortir du spectacle. Le scandale, c'est que devant leur incrédulité, Jésus ira plus loin en donnant des exemples. Jésus place une femme et un lépreux, deux païens, au-dessus des Juifs, dans l'exposition ou bien l'exposé de sa mission, ou bien le rappel de sa mission. Il place une femme, veuve, et un lépreux, tous deux païens, au-dessus des Juifs. Il dit, mais au temps d'Élie, c'était une femme, il y avait plein de veuves en Israël. Mais Élie était allé rencontrer une veuve à Sarepta, à Sidon, une païenne. Et c'est celle-là qui a sauvé Élie, on peut dire ainsi. Et au temps d'Élisée, qui a succédé à Élie, le prophète, Élisée aussi, il y avait plein de lépreux en Israël. Et les Israélites ne voulaient même pas les voir, on les cachait. Mais Élisée n'a guéri que Naaman, le lépreux qui était ainsi païen. Pour les Juifs, c'est intolérable, ces exemples. C'est intolérable. D'où la fureur contre lui, où la provoque. Jésus les a provoqués. C'est de la provocation. Et sera cela. On dirait que dans la réalité, qu'en réalité, et cela est normal, la grâce doit déplacer, choquer, susciter de la fureur. Pourquoi? Parce que la grâce est incompréhensible, pour ne pas dire injuste. Pour celui qui est dans la pratique de la loi, pour son salut personnel. Celui qui se bat dans la République, et souvent c'est ça, c'est comme ça que nous vivons. Mais alors, il y a un peu de l'homme dit, mais il y a comment tout le bereka pour arriver à rencontrer Dieu. Je me bats pour moi, pour mon salut. Et un autre est en train de faire des contraires à côté, vivre en décalage par rapport à cette réalité, et que la grâce nous mette au même pied d'égalité. Peut-être un jour, ça paraît injuste. C'est pourquoi il ne pouvait pas l'entendre. C'est pourquoi je disais que la grâce
si on la prend, on l'accueille, elle déplace, elle chante, elle suscite des femmes, de la fureur même. La conséquence est non seulement que ces gens se chassent Jésus, mais ils évitent de justesse la tentative de son assassinat. Pourquoi? À cause de l'attention aux pauvres et à cause de la vérité qu'ils prônent. Suivant les débats aujourd'hui au sujet et les sujets débattus sur les médias aujourd'hui, pendant ce temps de campagne qui débute, sans se dire vraiment, pour les présidentielles, les pauvres et la vérité. Comme la vérité peut susciter de la haine, écoutons sur les médias, comme la vérité peut susciter de la haine. La vérité de Jésus apparaît comme une grave menace pour le système et pour les personnalités de son temps. Jésus ne sera pas mieux loti que Jérémie. Et qu'en est-il de nous aujourd'hui, dans cette société qui fonctionne avec des intérêts et le mensonge? Jésus aura la responsabilité de déconstruire pour amener le peuple vers une vraie libération. Déconstruire une déconstruction matérielle, physique, mentale, psychologique, spirituelle sera le travail de Jésus pour pouvoir amener à la conversion. Une déconstruction physique, mentale, psychologique, spirituelle. Je donne un exemple, surtout pour nous Africains et nos amis d'Afrique. Il y a trop de liens Afrique actuelle et l'Afrique arabe. Le pasteur en Afrique est consacré. Le pasteur de l'Église réformée de France est reconnu. Il n'est pas consacré. Le pasteur de l'Église luthérienne est consacré ou ordonné. Et si ce pasteur ou ce prêtre consacré a des écarts de comportement, les fidèles sont tellement formatés qu'ils ont peur de le ramener à la vérité. Ils ont peur. Et quand ça arrive, on dit, Jésus, après tout, c'est une personne consacrée. Oui, mais il y a une année. On a peur. Et aussi, le consacré en profite pour aller plus loin. Il est dans ses écarts, mais en même temps, il dit, je vais vous maudire, m'a profité. Mais il ne l'a pas, m'a profité. La dignité, c'est faux. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est la Bible qui le dit. Nous sommes formatés de telle sorte que nous ne pouvons même pas revendiquer nos droits en tant que croyants, en tant que chrétiens. Et lui, il dit vraiment. Et je dois le dire à mon nom. Non, mais quoi? Il y a mon époux. Ah, mais Dieu, maintenant, on va venir à l'école. On les a formatés. Jésus est venu nous libérer, en fait. Nous donner des droits et nous libérer. Et ces droits, nous ne les reconnaissons pas. En Christ, Dieu s'est rendu présent à son peuple pour le salut du pauvre, du captif, du tordu, du cabossé de la vie. Je dirais, par l'exemple que j'ai donné, que dans cela, nous sommes dans un esclavage spirituel et religieux. Il faut que nous sortions de cet esclavage spirituel et religieux. Nous sommes des esclaves, des systèmes qui nous croient. Jésus nous a appelés à vivre notre foi dans la liberté et la responsabilité. Enfin, le dernier cliché de ce passage que nous avons lu est édifiant. Et ce dernier cliché nous dit qu'on voit la foule s'exciter contre Jésus, le menacer, même vouloir le tuer. Pas pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Il rétablit la vérité. Dans cette démarche de vouloir le tuer,
Jésus n'est pas du tout violent, au contraire, il a une certaine sérénité, il s'avance tranquillement pour se soustraire à cette violence. C'est cela l'autorité, la force de la vérité, la force de l'amour. C'est cela la force de l'esprit. L'esprit, la force de l'esprit qui résiste au diable et à la tentation, car l'esprit est confiance. Il est assurance, il est paix. Cette paix, cette confiance, cette assurance, cette paix qui nous mène vers la victoire. Victoire à laquelle le Seigneur nous appelle. Que cette victoire soit nôtre aussi, dans notre consécration à l'esprit, dans la relation à l'esprit et dans notre confiance au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
premier, de recours à l'Ukraine, à ce qui est nous sommes là, 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 nous à et à temps, on va être au long de la vie et on monsieur, madame, il y en a vous pouvez nous donner nos vies sur la femme et aider nos places. Il avait dit qu'on va tout pour nous. Nous attendons beaucoup de bon temps. Le Christ, on avait la vie. Et le bon corps, pour qu'il attend. Maintenant, nous allons commencer l'assemblée générale et nous espérons que ça ira vite. Une table, des chaises et j'invite en même temps le bureau. Le bureau qui sera composé du président du...